Ouais, fais-moi chier. Ouais, mais c'est con, ça. Batman ? Sans déconner, pourquoi expliquer une légende urbaine ? Non, il existe vraiment. Demande à Mickey. Mickey ? Tu sais, le gaucher. Le gaucher ? Oh ! Le gaucher ? D'accord, les gars. Vous allez devoir vous faire humilier sans ma présence, bande de nazes. Je suis sûr que vous y arriverez. J'ai des affaires à régler dans mon bureau et je ne veux pas vous déranger. Ici dirigera les combats jusqu'à mon retour. Le pingouin devrait être dans son bureau. Tracy peut m'aider à le rejoindre. Je vais la faire parler. Maintenant, accueillons un vilain, un vrai de vrai. Et il mérite un accueil comme il se doit. Pigez, les gars. Tu m'as fait gagner pas mal de temps en venant ici, Batman. Je vais te tuer, puis je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. Je suis à la recherche de Black Mask. Où est-il ? Je suis pas là pour parler. Je suis là pour buter.
C'est ta dernière chance. Ce combat est hors de toi. Je te frappe, et tu reçois. Qui veut bien me montrer où se trouve le pingouin? D'accord, bande de maudits. C'est l'heure de gagner votre dîner. Non! Si vous ne voulez pas voir de quelle poche je me chauffe, venez ici et regagnez son compte. Encore un peu de pression et je te brise le larynx. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, c'est bon! Il est dans son bureau. On y entre uniquement par le théâtre, de l'autre côté du casino. Mais Tracy te laissera jamais passer. Tracy n'est pas un obstacle. C'était plus concluant que le dernier interrogatoire. Quelqu'un d'aussi paranoïaque que Black Mask ne confierait pas ses secrets à cette grande gueule. Si je veux trouver Sionis, je dois d'abord trouver le pingouin. Monsieur Cobblepot en finit avec son invité et découvre que notre bande de nuls a laissé Batman gâcher les combats du brûleur deck. Qu'est-ce qu'il va faire de vous, à votre avis? Réfléchissez, les gars! Thank you.
Raffio va sûrement pas me manquer. Comment il appellera l'autre? Le Final Offer 2. C'est plus possible que ce nom-là. Le Final Offer, c'est plus moi qui ne peut pas y en avoir un autre. C'est vrai. Ça porte peut-être chance un nouveau nom. On en a besoin. Sur ce radio. Tout ça fait partie du plan du pingouin. La question est, est-ce que le récit peut la... Qui a repris conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Lester Bouchinski. L'électrocuteur, vous allez bien? Oui, mais il a réussi à fuir. Ses gants émettaient un fort signal électromagnétique. Si vous isolez ce dernier, je pourrais retrouver ce malfrat. Je vais m'en occuper. Où allez-vous maintenant? Je me dirige vers le casino du Final Offer. Je vais demander à l'assistante du pingouin de me conduire jusqu'à son patron.
Le casino. L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. Vraiment très dur à la comprenette, hein. Monsieur Cobblepot veut pas de nouveaux visiteurs. Donc pas question qu'il en soit au théâtre pour le monde. Alors tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte, les gars. Depuis la salle de sécurité. Disque de données crypté. On dirait qu'il fait partie d'un grand ensemble. Si j'en récupère assez, je pourrais sans doute lire le fichier. Que dalle. Je lui ai dit que je bossais le soir du réveillon et qu'il ne pouvait rien y faire du tout. Comme ça. Ouais. Comme ça, c'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire. T'as raison. Faut pas les laisser porter la culotte. C'est ce que mon père disait, bien sûr. Ma mère le poignait juste après. On va tuer cet enfoiré! Moi, je l'avais dit. Pas à s'inquiéter. Les Africains ont été payés. Ouais, ouais. Je me sens bien, mais Thank you.
Vraiment dans la merde, Candy. Non, elle a mérité une correction, celle-là. J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches. Allez, j'en ai ma claque. Ouvre-moi et laisse-moi sortir. Cobblepot va pas être content quand il va savoir tout ça.